Depuis quelques années, les classes de l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction du Québec se vident. Les étudiants sont devenus une denrée rare. Il y a quelques années, en briquetage, j'avais 66 élèves. Aujourd'hui, j'en ai moins de 15. Même chose en plâtrage. Ferblanterie, je n'ai pas été capable de démarrer le groupe cette année. Pourtant, j'ai un placement à 100 %. Seuls les cours de charpenterie, menuiserie et d'électricité affichent complet. Mais les chantiers ont besoin de bien plus. Je suis pas au maximum de ma capacité de former. Ce qui laisse croire à Rémi Veilleux qu'il sera très difficile d'augmenter le rythme des constructions. La Société canadienne d'hypothèques et de logements évalue qu'il faudrait bâtir plus d'un million d'unités de logements au Québec d'ici 2030 pour se sortir de la crise du logement. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour cet économiste de l'Université Laval, l'objectif est irréaliste. Il calcule qu'il faudra construire plus de 120 000 unités de logements chaque année, ce qui représente presque le double des constructions de l'an dernier. 68 700 mises en chantier, donc c'était une année record au cours des 30 dernières années, ça, 2021. Il manque 17 000 travailleurs dans l'industrie de la construction. L'Association de la construction du Québec croit que les gouvernements fédéral et provincial doivent mettre l'épaule à la roue. On demande au gouvernement d'ouvrir les vannes de l'immigration temporaire pour venir prêter main-forte aux travailleurs de la construction ici. L'intégration de nouvelles technologies pourrait pallier le manque de main-d'œuvre. L'utilisation des nouvelles technologies de construction doit être démocratisée, comme par exemple des exosquelettes, comme par exemple des robots. Ce serait d'avoir recours de plus en plus à la construction pré-usinée. Le professeur rappelle que dans les années 70, des incitatifs fiscaux ont fait leurs preuves. On a dû recourir à un programme de crédit d'impôt qui a permis de renouveler tout le parc de logements locatifs au Canada. Le manque de main-d'œuvre doit donc devenir un enjeu prioritaire pour régler la crise du logement. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Québec.